Et salut tout le monde, c'est SuperU22, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière. Il s'agit d'un montage, d'une exploration urbaine. Alors qu'est-ce qu'une exploration urbaine? Eh bien c'est se déplacer et explorer des lieux qui sont abandonnés au sein d'une ville. Je tenais tout d'abord vous faire ce petit message pour vous dire, pour vous montrer un petit peu la préparation qui est faite avant de partir faire ce voyage avec 4 ou 5 autres de mes amis, je ne sais pas combien on va être exactement. Nous allons visiter des tunnels. Des tunnels abandonnés qui vont être, ça va être assez cool je pense. Je vais vous montrer un petit peu l'équipement qu'on va prendre. C'est pas du grand équipement, c'est vraiment de la petite magouille pour faire des trucs. Donc on est passant à côté où il y a mon stand et mes affaires. Alors voici ma sacoche que j'utiliserai, que je prendrai. Nous allons avoir besoin d'une lampe torche, basiquement, hein, la base de la lampe torche. Nous avons des piles de rechange au cas où, des craies, tout simplement pour marquer notre chemin, des jumelles parce qu'on ne sait jamais, si jamais il y a des grands espaces. On a un photographe avec nous qui pourra prendre de belles photos comme ce qu'il a pris déjà à un moment, des très très belles photos hein, franchement. Donc voilà, je vais embarquer tout ça et on va partir. Donc appréciez le petit montage hein, et je vous retrouve plus tard. Je me rends compte que ma démarche fait vachement rec finalement, parce que je vais tout filmer. Bon, mon téléphone portable n'a pas une très très bonne qualité de tournage, mais je n'avais pas le temps de me procurer mon caméscope que j'utilise habituellement. Donc, comme on dit, on va faire avec. Et normalement, quand il fait jour, il fait nuit, vous voyez. Il est 20h30 là, presque 20h30. Normalement, on voit à peu près l'entrée du tunnel. Faites attention si vous vous lancez dans l'exploration urbaine. Alors voilà. Non, on ne voit pas, mais c'est là-bas. Ah, vous ne voyez rien du tout. J'en suis désolé, j'essaie d'augmenter la luminosité autant que je peux sur Première, mais je peux pas faire de miracles. Donc, oui, je disais, pour ceux qui veulent tenter l'expérience de l'exploration urbaine, urbex comme on dit, faites très attention, c'est un sport. Ou une pratique, plus un loisir, une activité qu'un sport, c'est illégal. Puisque le principe même de l'urbex, c'est de se rendre sur des lieux abandonnés qui sont souvent propriétés de la ville. Bon, vous ne voyez rien du tout là, en fait vous n'avez qu'un pitch black, vous n'avez qu'un écran noir quasiment, et vous n'allez pas voir quelque chose d'intéressant. Notre tunnel sera peut-être mieux vu qu'on sera un peu plus encadré entre guillemets, la lumière portera peut-être un peu mieux, et puis j'aurai ma lampe torche. Là j'ai juste ma loupiote de mon téléphone. Normalement j'ai assez de batterie pour tenir tout le temps qu'il faut. Si j'étais seul à faire cette exploration urbaine, j'aurais fait sûrement un EVP, juste pour le fun de faire un EVP finalement. Mais je ne pense pas que ce sera possible. Hop, 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 hop. EVP pour ceux qui ne savent pas, c'est Electronic Voice Phenomena. Phénomène de voix électronique, c'est généralement ce qu'on utilise pour parler aux fantômes. Quand on est dans la rue, il y a un petit peu plus de lumière. Et vu l'heure qu'il est, il est quelle heure? Il est 22. On a à peu près 8 minutes d'avance sur les autres. Je pense qu'on va être seul le temps que les autres arrivent. On arrive dans un quartier habité. Vous voyez, le pont est en haut. On a descendu une falaise là. Mine de rien, ça descend vite tout ça en 3 minutes. Donc là, on a le genre de squat. Ça, c'est des petits trucs qui s'explorent en 5 minutes. Ah, j'entends des voix. C'est peut-être mes collègues. Voyons voir. Si c'est eux, ça pourrait être cool. Ça m'éviterait de rester tout seul. Là aussi, c'est un truc à explorer. Là-bas, il y a un bâtiment qui est laissé à l'abandon. Ça peut être pas mal. Voilà la zone. Là-bas, il y a un portail. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Je pense que, ouais, vous le voyez à peu près. Faudra que j'augmente la luminosité. Mais en gros, c'est là.
C'est l'entrée de la zone. Hop, on va essayer de faire un peu discret à partir de maintenant. Où il n'y a personne. Tac, 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 tac. On est rentré. Tac. On est rentré. Ah tiens, il y a déjà quelqu'un. Hop. Salut, tu viens pour l'aventure? Hein? Mais c'est la petite torche du téléphone. Oh, j'ai dit, éclaire pour voir si je peux voir. Éclaire genre vers là-bas. Là? Non, par, vers l'entrée. Éclaire vers l'entrée. L'entrée, ouais. Ah oui, on voit un peu. On voit ouais, un petit peu. Si tu veux, je cherche les trucs. Mais moi aussi, j'ai un set de piles. Donc avec, là, on est. Avec le nouveau set de piles, ça risque d'être plus brillant. Ça va être cool. Ouais, putain, mais la taille de ton machin. Attends, c'est quoi ce dildo? Attends. C'est. Regardez-moi ce dildo. Date dildo, quoi. C'est incroyable. De oh, y'a un caddie. Ah, il a plus de roues. Si, il a des roues. Non, il a plus de roues. Donc voilà, ça c'est le genre de truc abandonné qu'on peut trouver. Un débarras avec plein de trucs. Ça, ça a bougé depuis hier. C'était pas agencé de la même manière hier. Quelqu'un qui est passé par là. Je me rappelle, il y avait le matelas, il était déplié complètement. Il était là. Il y a des écrans de télé là. Bon. Bah, je vais couper en attendant l'arrivée des autres. Et voilà la team de gagnants. Je dois être la personne la moins préparée. La team de gagnants au grand complet. Mais concrètement, ça va. On a le survivant. On a l'artiste. On a l'anglophone. Et on a l'économiste. Je sais pas que ce que c'est. Si on croise des mecs dans internationaux, gestionnaire, constable. Alors, vu que toi tu es le mieux préparé, dans un scénario de film d'horreur, tu seras le premier à mourir. Non. Qu'est-ce qu'il a lui? Un parapluie. Ah ouais, c'est. Oh, GoPro. Ah ouais, carrément. Ah, t'as une GoPro. Ah, espèce de salpo. Quoi? C'est pas la Black Edition. C'est la Black Edition. Ah bon, bah. Sale riche. Espèce de gros bourgeois. Non, mais on l'a eu gratos. Gonard. Donc là, on est au complet, c'est ça? Je l'ai eu gratos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce type. Qu'est-ce qu'il a tout? Il a une boussole. Ouais. Il a des pommes. Putain, le mec c'est un survivant. J'ai amené à bouffer quand même, j'ai bouffé. Le mec est un survivant. C'est la pomme ou le matériel de survivant. Bon, j'ai arrêté de faire la lumière un peu là. Non, jamais. Vous avez pris quoi comme lampe de poche? Bon, toi, j'ai vu. Moi j'ai ma lampe de poche. Classique, celle de la dernière fois, qui éclaire pas. Enfin, qui éclaire, mais par rapport à votre, non en fait. Tu vois, en parlant de taille de bite, moi j'ai la 7 cm. Tu vois. Moi j'éclaire le poche. Moi j'ai la. Moi j'ai deux téléphones avec. Ouais, vous avez la 18 à vous deux. Lui il a la 15. Il a la 15, lui. J'ai la 20. Moi j'ai celle qui éclaire le pont là-bas. Moi, tu vois, elle éclaire le pont. Oh putain, mais le. Mais pas trop non plus. Cet équipement. Ah, si, moi, j'ai mon téléphone. Je vois pas trop elle si, éclaire. Si, regarde. Moi, okay. Mais c'est parce que ta lumière, elle est plus diffuse, au fait. Ouais. Mais non, peut-être. C'est combien de lumens? Tout ça. Lumens. Parce que c'est aussi le nombre de lumens. Bon, sinon, j'ai volé à l'écran. Ouais. C'est fait. Putain, c'est dommage qu'on ne voit rien avec ça. Bah, okay. Je peux éclairer. Alors, de ce que j'ai entendu, par contre, de ce que j'ai entendu, à ce qui paraît, au bout d'un moment, le tunnel est bloqué. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc ça veut dire que si jamais on fait le tour en une demi-heure, on a une autre entrée hein, de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il a dans son havre sac, Ali Baba? De l'eau. Oui. Des bandages. Tu ferais mieux de sortir bon parfait direct, vu qu'on va commencer. Les bombes de peinture, c'est si j'ai l'instinct qui est le moment. Oh, le tag. Il a fini le gars là. L'esprit de Picasso m'envahit. Non, j'ai oublié ma tente. T'as le feu de camp, t'as les marshmallows, t'as des trucs? Tiens Mathieu, c'est lesquels? Non, pas la finale. Non, c'est bien. Bon, je vais ouvrir la marche. Alors, où est l'entrée? Devant toi? Ouais. T'as juste à passer à la juste là. Alors, je vais commencer directement à sortir la lampe torche. Hop, attends. Bon, pendant que tu sors l'ombre. Vas-y, Johnny. Tac. Comme ça on a double lumière. Hop.
On passe à travers les ronces. Tac. Toc. 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 Hop. Hop. Bouge-toi, s'il te plaît. Voilà où on est. Wow. Je filme toujours. Ouais, je vois ça, ouais. Ok, go. C'est parti. SCP. Bon, messieurs, vous venez ? Vous connaissez SCP ? Non. Ah bah, dommage pour vous. Oh putain, l'écho. J'ouvre la marche. Je pense pas qu'on a les chaussures là-dedans. Ok, moi je peux ranger ma lampe torche, merci. Superbe, superbe, c'est génial. Non, je vais quand même la garder parce que je ne dirais pas forcément. On a deux tunnels. On peut continuer tout droit ou alors on peut aller directement à gauche, à droite. Premier croisement, par où on va ? On peut devenir très vite parano dans ce genre d'endroit, faites attention au bruit. Bon, bah on ouvre la marche, écoute. Hein. Hop. Ah bah non, l'autre il est encore à l'entrée à faire ses photos. Ah oui. Ah bah oui. Tu connais pas Andéol ? Tu connais pas Andéol ? Ouais. On a dérangé quelqu'un, vous croyez ? Là, regarde. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un ? Je sais pas, j'ai les deux mains prises. Ah ouais non, on peut pas. Non, c'est pas depuis quelques temps. Ça ne fait rien. Oui. Fais gaffe. Hein ? Ça fait un peu. Ah, si, ça fait un peu. Ah ouais. Fais gaffe, c'est toxique par contre cette merde. On a retrouvé des bombes de peinture déjà, qui fonctionnent. On peut admirer l'art urbain aussi. En même temps que d'explorer l'urbain, on peut admirer l'art urbain. Ah ben. Ouh, ma vie, ma bataille. Ouh. Très belle exploration, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est laquelle en entrée, ça ? C'est laquelle ? C'est l'entrée principale. Principale. Bon bah on y retourne alors. De l'autre côté. Je pense que c'est celle où il y a la. Ouais, il y a la. Il y a la. Où ça goûte ? Ouais. Et est-ce que tu t'es renseigné sur à quoi servaient ces tunnels alors ? Ici, non. Non. Papillon. Papillon de lumière. Il y en a une qui fume. Papillon. Non. Là, qu'il y a une petite. Vous avez le droit d'avancer si vous voulez. Oui, bah. Pas faire, avance. Je ne m'éteins jamais, moi. On ne court pas dans les couloirs. Oh putain. Ça commence, ça y est, les jumpscares, voilà. Hein. Je déteste ce genre de dessin.
Bon ben bah, effectivement c'est fini en fait. Ouais. Et du coup il y a. Du coup on peut rentrer chez nous. Ah oui. Ah bah oui. On a rien prévu d'autre nous. Moi je pensais que c'était un grand truc. Mais attends, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres trucs, non? Bah, au pire des cas, c'est pour contrôler l'espagnol. Bah non, y'a rien d'autre. Hein. Mais les entrées sont même pas condamnées en fait, c'est-à-dire que c'est tout le tunnel. Hein. Ah ouais, en fait, y'a vraiment. Y a rien d'autre. Ah, vraiment que de Chine, Daniel Punto. Ouais, des stalactites. Ouais. Vraiment des choses noires, là. Eh bien, étudions la géologie des stalactites. C'est ça. De calcaire. Je pense qu'on préparait un truc. Regarde, il y a même de la bombe dessus. J'avoue, on s'est préparé. Eh, on s'est préparé, mais en fait, pour rien. Regarde, il y a des il n'y a pas d'autre endroit pour comment visiter. Attends. Mon cher ami, je voudrais une interview de vos réactions à chaud sur comment, ça, comment vous ressentez le fait que vous vous soyez préparé pour rien. Moi j'avais prévu. Oh, mais il y a de quoi faire tout ça. Faire comme si on a fait plusieurs couloirs, mais alors qu'on en a fait juste deux. J'avoue, on redécouvre à chaque fois des nouveaux trucs. C'est comme dans Grave Encounters, en fait, on essaie de trouver la sortie, mais il n'y a pas de sortie. Alors le plan, c'est on a une entrée là, avec deux couloirs, et une sortie qui est là. C'est ça. C'est exactement ce plan en fait. Voilà. En fait, voilà. C'est exactement voilà. C'est le plan de la route. C'est exactement c'est le plan des tunnels. Mais ça c'est pas. C'est les portes, c'est RG, quoi? Il y a une carte. Oui. Il y a une carte. Non mais en vrai, c'est chiant là. Pourquoi? Bah c'est fini. Ah bon? Ah bah oui, on a fait tout le tunnel. Ah oui. Ouais. Qui a fait ça? C'est mon paquet de chips. C'est sérieux? Le mec il a fait péter une bombe dans le tunnel en fait. Non mais j'ai voulu faire ça depuis longtemps. Putain, moi j'ai cru que c'était genre le mec qui avait trouvé une entrée secrète et tout, mais en fait non. Juste exposer son paquet de chips. Putain, les mecs, en vrai, en vrai, c'est à ce moment-là dans les films d'horreur que les mecs ils tapent sur les murs, et à un moment il y a un mur qui s'ouvre en fait, il est pas sur les maps et ça les emmène dans un endroit où ils meurent tous. Mec, j'ai une idée. Vas-y, tape sur le mur. Attends. Cézanne, ouvre-toi. Non, ça marche dans les mille et une nuits, on est pas dans les mille et une nuits. On est la nuit. Essaie de trouver un bouton, je sais pas. Oh, je sais, regarde. T'as des trous, tu vois. Il y a des trucs, il y a des billes, des trous là. Là, tu mets ton doigt. Ouais. Tu prends ton autre doigt. Là. Je sais absolument pas qu'est-ce que je fais. Beaucoup trop de doigts à mettre. Beaucoup trop anal. Putain, il y a pas de gens qui mettent. Non, mais regarde, ça c'est une porte vers l'enfer en fait. Faut se trouver le moyen de l'ouvrir, c'est tout. Comment on fait? Non, pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est, ce n'est pas le plan. Enfin, il fallait essayer, effectivement. Ah ouais. Mais du coup ça fait chier en fait. Est-ce qu'on a un plan de secours? Est-ce qu'on a un plan de secours ou la soirée est niquée? C'est bon, vas-y. Est-ce que vous pouvez éteindre les lampes tout à l'heure de ce moi je m'en vais alors. Voilà par où on est rentré en fait. Donc ça, ouais, c'est un peu gênant ça, le fait qu'il n'y ait rien. On n'a pas de plan de secours en plus. Ça, c'est encore plus gênant. Oh, papillon de lumière. Ah, on a 20 minutes de rush. C'est pas beaucoup, hein, vraiment. Ça goûte un peu.
Bon, alors reprise du reportage, entre guillemets, on peut dire ça. Ça n'a pas été concluant. En fait, notre première exploration de base, c'était quoi? C'était deux couloirs, trois, peut-être quatre. Oh ouais, un truc comme ça. Ouais, quatre couloirs. Du coup, changement de plan. Un informateur anonyme nous a dit qu'il y avait un gymnase abandonné dans les parages. Donc, on va essayer de retrouver. Bon, mec, il y a des maisons. On va à gauche. Et si c'était ça? Est-ce qu'il y a une indication genre entrée abandonnée avec un panneau abandonné? Non, elle m'a parlé d'une cour. Il y a une porte là. Elle m'a parlé d'une cour et de fougères. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il y avait une Renault dans la cour? Ça me fait un peu chier qu'il y ait un gros chien. Quoi. Je veux un gros chien de garde. Non, s'il y avait un gros chien, on aurait déjà entendu gueuler. Long à faire. Hein. Ah bah. Ah, y'a un autre truc là derrière. Allez les gars, c'est le talon. Bah non, mais. Tu prends même pas des photos. Oh putain, fais gaffe avec la porte. Ah ouais. Avec ce petit volet pété là-haut. C'est classe. C'est petit mais cosy. Bon, il manque un peu la majorité des trucs qui font ça. Oh. Ça pue la vinasse ici. Tu veux boire ça? Ça pue l'alcool là-dedans. Tac. On ne fait que passer, mesdames et messieurs. Oh putain de merde! On évite de se casser la gueule, ça pourrait bien. Et alors c'est un gymnase, genre tu connais. J'en sais rien moi! Et voilà. Enfin, tu peux te bailler dans la rue, tu peux avoir des trucs abandonnés, t'as même pas besoin d'adresse. Ouais, c'est ça, c'est une forme en fait. Oh. Y'a pas eu un incendie ici? Y'a rien ici? On va vérifier, mais je te dis qu'il y a rien. Ok, bon bah, je vais vérifier qu'il y a rien. Il est bon, ça va par contre. Il y a quoi aussi? Ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueu aussi! S'il y en a un qui se viande? Parce qu'il y avait un autre étage ici avant. Un escalier ou un autre étage? Un escalier avec les fenêtres qui sont plus vertes et l'entrée. Non, je pense que c'était un autre étage en fait, il y avait une autre partie du bâtiment. Ou peut-être c'est fait pour les camions, tu vois les camions recul et tu peux marcher sur le camion. Mais ce qu'elle t'a dit à côté de toi, c'était. Ah oui. Ouais, tu descends à droite et à droite. Par contre, ça c'est un abandonné. À partir de. Attends, tu. Ouais, tu es juste là-haut en fait. Ouais. Et donc. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il faut descendre vers là. À droite. Hein? C'est à dire qu'il faut descendre vers là. Mais non, mais là on est dans la zone. Ah bon? Oui. Et c'était ça le gymnase? Non, bah non, parce qu'ils ont pu rentrer dedans. Mais c'est un truc badass ou. J'en sais rien, moi je suis pas allé. Non, mais elle t'a dit ou pas? Elle m'a dit un gymnase abandonné. J'y suis allé une fois boire des bières avec une copine. Oui. Et on s'est dit, tiens, ce serait cool, on pourrait faire une soirée Halloween ici. C'est ce qu'elle m'a dit sur l'endroit. Moi, j'ai pas d'autres infos, les gars. Maintenant, j'ai autant d'infos. Enfin, vous avez autant d'infos que moi. Ouais, bah, c'est justement, je vais demander ça. Parce que t'avais bien des infos. Oh là là. Non, j'ai pas d'intel. Tous les matins, je sais pas, je me monte et je me disais qu'est-ce qu'il y avait ici. Mais en fait, il y a rien de bien. Et là-bas, on retourne sur nos chemins, j'ai l'impression. Bah, y'a. Ah, ça s'enfonce? Ah oui? On s'enfonce légèrement, hein, faites gaffe. Putain, faites gaffe!
Ouais, faut marcher sur les pierres. Les gars, faites gaffe. Après demain, ils ont fait de la réunion. Marche sur les pierres. Il y a des toilettes. Ouais. Regardez, on peut grimper là. Ah bah c'est peut-être ça, non? Oh, messieurs, on peut rentrer ici. C'est bon, on a trouvé. On a trouvé. Merci qui? Merci Jackie et Michel. On a trouvé, les gars. Ouais. Mais non, mais c'est le vestiaire des filles. Non, mais regarde, va là. Va par là. Vas-y, amuse-toi. Qui a le vertige ici? C'était des douches. Ça s'appelle une chambre froide. Une chambre froide dans un gymnase. Moi, non, non. Je crois plus à des douches, moi. Non, parce que les douches, c'est la qualité. C'est des bas boutons de boucherie en abattoir ici. Ça sent vachement à l'air de boucherie d'abattoir. Je me tiens juste à l'abattoir. Bah, on verra ça là. Quand on a vu les gens. Et on est là où il y avait le. Là au-dessus il y a une porte du coup. Au-dessus il y a une porte là qui mène sur l'extérieur. Ou alors c'est peut-être le truc de l'échelle. En tout cas c'est un squat ici. Qui a le vertige ici parce que moi je suis chaud pour l'échelle. Bah vu comment. Oh, regarde, cette porte là on l'a passée tout à l'heure. On n'a pas réussi à la passer quoi. Parce qu'elle est passable. Ah ça fait du paintball ici. Enfin du. De l'airsoft. Ah ouais? Ouais, il y a des billes d'airsoft. Il y a des billes d'airsoft un peu partout. Hein? Donc c'est un abattoir. C'est un abattoir? Bah, il y a des billes d'airsoft. Non, l'abattoir il a P4. Eh bah, du coup, la soirée n'est pas totalement grillée. P4, ou S4, S4. Dans le mystère, et c'est en tout temps. D'ailleurs, je pense que quand on va voir la salle, j'essaie de trouver une tenue. Ça pue la mort hein, ici. Ouais, bah si je mets. Si on se met à la salle. Allez, rentrez tous, on va s'enfermer et on va tous. Si, c'est comme ça. Non, tu ne l'auras pas comme ça. Petite blagounette. Petite blagounette. Petite blagounette. Parce qu'on a masse, hein. C'est pas de l'urbex, c'est quoi? C'est un lieu abandonné, décadent. Un lieu abandonné. Et les gars, si quelqu'un veut recharger son iPhone, il y a une prise ici. Nice. Je sais. Ah, ça, c'est des prises pour grosses machines, ça. Ça, c'est des prises écrites pour des grosses machines, ça. Luc? Ouais? C'était effectivement un abattoir. Pourquoi? Regarde. De quoi? Ça. La dernière fois que j'ai vu ce genre de bouton, c'était chez mon. En tout cas, c'est clairement pas un. Chez mon oncle. Mon oncle qui est agriculteur. C'est clairement pas un gymnase. Un abattoir peut-être. Bon, ça peut être autre chose. Non, moi je dis c'est une boucherie. Et ici. Oui, il est pas un abattoir. Vous êtes allé dans un côté là? Est-ce que vous êtes allé à côté? On va y aller. C'est la sortie là. Non, là. Ah là, tu vois le 16. Ça mène à la sortie. Oh putain, des vitres. Plus les parties des. Regarde-moi ça. Oh putain. Oh la vache. Oh les shit. God damn it. God damn it. En déol. Il y a des vitres. Ah, ça va pas. Ouais, il y a une putain de chambre forte. Froide. Ah, des bonbonnes de peinture dedans. Je sais pas moi. Ah, il y a des extincteurs aussi. Et les extincteurs. Fais gaffe, hein, ils vont te péter à la gueule. Ouais, rien. Ah ouais, tu filmes encore Justin? Ils sont pleins? Ouais. Non. Ils sont pleins. Est-ce que tu l'actives ou pas? C'est quoi ce qui pète? Hein? La quoi ce qui pète? Non, il y a la sécu hein, Jean-Claude. Oh putain, les coups. Bah enlève la sécu alors. La sécurité sociale. Voilà. Oh putain. Attendez. Éloignez-vous d'Andéol.
éclairé en déole. On sait les vides, comment tu fais ? Comment je sais qu'il est vide ? T'as du liquide dans l'intérieur quand il est pas vide. Et puis j'appuie et ça sort pas. Et l'autre ? Et celui-là, il est vide aussi ? En D, celui-là ? Vide aussi ? Je pense, oui. Et tu veux pas apprendre à découper un extincteur ? Ah, oui, il est vide. Attends, si on appuie. Vas-y, maintiens. Oui, mais non, ça sert à rien d'appuyer. Appuie. Oh la vache ! Oh, c'est trop dégueu ! Attends, il y a moyen de faire la photo. Oh la vache ! Attends, bougez-vous, éclairez. Mais non, c'est ce qu'il y avait dans le... Dans le machin. C'est ce qu'il y a dans l'extincteur. C'est marrant, je pensais que ça servait à rien. Mais il y a quoi comme produit dans lequel... Je devrais pas encore le carrelage. Ah, trop bien. Non, dégueulasse pas maintenant, il va prendre une photo. Ah oui, mais c'est le truc qui permet de... De quoi ? Mais... Arrête, tu fais les éclats partout, mon gars. Ah, les éclats, ils vont jusque-là. Regarde. Et ça, là, c'est pour être un peu de carnage. Le carnage, on parle de 2007. Vous avez vu ici, le gars. Il y a des araignées en décompo. Il y a des araignées en décomposition un peu partout. Ouais. Regarde, c'était la porte qui était. Qui est calfeutrée. Attention. Ah oui, bah c'est sur le cours. Ouais, d'accord. Avec le mec qui a la télé en face. Oh, il y a du courrier. Ah bah on a du courrier, les gars. Putain, j'ai le truc de la chaussure là. Et c'est fini. Voilà. Ouais, c'est fini. Mais l'autre, comment tu veux le faire marcher, l'autre ? Ouais, je pense que tu fais la même chose. C'est bien fait. Ouais. Là, il est vite, ça se sent ou quoi ? Par ici plutôt. Vas-y. Non mais laisse-moi faire, t'as déjà fait. Et... Arrête de tirer. Arrête. Je veux faire moi aussi. Oui mais regarde, comme ça t'as le. Trop bien. Putain, on dirait du sang de monstre. Je peux faire aussi. Tu peux faire ou quoi ? Bah ouais, mais prends le. Hein ? Ah ouais. Ah tu sais pas. Non mais. Ah bah excuse. Tu veux que je filme ? Vas-y tiens. Attends. Ouais retourne là. Parce que là on filme à l'endroit tout à l'heure. Oh bah ça. Ah je filme tout à l'heure en fait. Oui, je savais même pas. Mais regarde un peu ça, on peut étudier la composition mais il y en a. Ah ouais, non, il y a des bulles. Ouais, tu m'entends. Il y a plus de pression. Ouais. Rapide, c'est Luc, ouais. Ton fun. Ouais. Non, mais il y a plus de pression, ça marche plus. Ouais, il y a des bulles. Intuition. Je parle pas allemand. Merci. C'est ça, ils sont noircis, rouges. Oh putain de merde! Oh putain de. Oh sa race! Oui, oh son père!
Non mais fais gaffe, il y a rien, je peux pas bien juste. En haut, c'est de la merde. Ah ouais, c'est déjà beaucoup mieux pour filmer là. Ouais, je filme. Alors les tendances. Il y aurait quelqu'un qui vient avec le lumière, ça pourrait être pas mal. Vas-y, je passe en dessous, comme ça, si tu passes au travers, je te rattrape. Oh la vache! Vous voulez voir un truc à moitié flippant? Les gars? Ouais? Mais pas dans, pas dans la salle, ceux qui sont dans la salle de l'autre. Attends. Ouais, par là, ouais, c'est cool. Oh putain de merde! Quoi? Luc, j'ai fait une connerie avec ta lampe. Qu'est-ce que ça fait? Mais non, tu peux la revisser. Ouais, mais vas-y. Bah non, tu peux la revisser, je peux pas. J'ai... Ou alors tu me tiens tout ça? Ah, bro. Hop, tiens. Tranquille, là-bas, il y a une bulle de toit. T'as le toit qui est complètement affecté. C'est bon. Attends, reprends ça. Je la garde du coup. Mais non, rigole. Oui, mais moi j'en ai besoin, sinon je ne vois rien du tout en fait. Non, en fait, j'ai pas du tout. Alex, tu me prêtes ta torche? Je prends, là tu vois. Parce que j'ai... Enfin, parce que là, regarde, on n'y voit rien en fait. C'est parti. Et j'ai besoin d'une lumière. Là-haut, il n'y a rien. Non, je sais pas. Je peux? Vas-y. Tiens, je te laisse celle-là. Elle est claire. Bah attends, tu veux que je vienne là-haut? Tac. C'est carrément la flippe. Parfait. Yo, je filme actuellement. Donc, quel... Oh putain, déjà un four crématoire, les mecs. Ah bah, regarde un peu le nom du four. Vas-y. Müller. Sérieux? Müller Starbucken. Ah ben, y'a. J'ai toujours les amants, ils vont toujours les mettre au feu. Y'a, y'a, nous savons les moyens de vous faire parler grâce au four crématoire allemand. Tu sais que je filme quand même. Oui, moi aussi, et je coupe au montage. Oui, moi aussi, et je coupe au montage. Tu me passeras les rushs et puis je les couperai au montage comme je veux. Et si je veux, je peux te faire dire bit un milliard de fois. Ah, bip, 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 bip. Regarde, enregistre bien. Enregistre bien. Bip. Nice. Comme ça, je pourrais faire une vocaloïde. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah oui, j'avais prévu, hein. Et là, on arrive au bout, il n'y a plus rien après. Il y avait quoi? Il y a quoi là-haut? Rien du tout. Et merci pour la lumière, la gueule. Mais de rien, un plaisir. Là-bas, il y a la pièce, c'est plutôt joli, elle est complètement affaissée. Mais j'en ai encore besoin. Mais je te la rends après. Il y a une porte là ou... C'est moi ou je vois une charnière? Oui, il y a des charnières. Oula. Oh, c'est toi. Mais il n'y a pas de porte. Ça veut dire qu'il est sur le point de péter, ça. Ouais, ouais. Faut pas marcher sur le sol, Andéol. Fais gaffe là-haut, Andéol, hein, le... Oh putain de merde. Oh putain de... Andéol, tu ferais mieux de descendre, je crois. C'est pas drôle. Les gars, regardez. Oui, je sais, j'ai déjà vu. Ouais, Andéol, faudrait peut-être mettre... Là. Ça, c'est une réunion des compos. Wow. Il y en a plein comme ça. Il y a une salle où il y a que ça. Partout. Fais gaffe, tu vas tout faire péter, Justin. C'est quoi ça, d'ailleurs? C'est un thermostat. C'était un thermostat. Bon, il y avait quoi là-haut? Ouais, c'est un peu le... Il y a rien. Tu peux voir, là? Il y a pas de... Tiens, regarde. Ouais. Regarde, on dirait une... Détonateur! Mais alors là-bas, c'est joli, tu m'as dit. Bah ici, regarde là. Avec le plafond qui s'écroule, t'as moins de shooter une belle photo. Ouais, bon, on m'a dit que c'était joli là-bas aussi. Où ça? Bah là-bas. Match? Là-bas, ouais, très. Sur mon sac, là, sur les côtés, je crois que j'ai mon bonnet sur un des côtés. Il y a mon bonnet là ou pas? Sur la poche de côté. Oh, la boîte de Napolitain, on l'a retrouvé! Ouais. Il y a mon bonnet dedans? Mathieu! Mathieu! On a retrouvé la boîte de Napolitain! Non! Si! Mathieu, j'ai besoin de toi aussi! Il est là! Boîte de Napolitain! Oh, pas grave. J'ai trouvé ça, ça peut être sympa. C'est une canette. Ah, c'est la Monster Energy. C'est un bleu. Ça pourrait être joli. Je sais pas. Je vais le prendre, je pense.
Mais c'est une merde. Ah, parce qu'on est en extérieur. Mais si, moi je te dis, c'est un chemin ça. Abrupt, mais un chemin. Bref, hein. Ouais, du laurier. J'en prendrai un peu, je me ferai du poisson. Vas-y, fais des coupes de laurier et étudie-les en bio-VG. C'est ça. Sauf que je veux pas hésiter. En physio. Hop. Ça va très bien avec du poisson. Ah, qu'est-ce qu'il fait, ce gogol encore? Mais au moins, je sais où venir pour mon laurier, quoi. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi cet animal là? Ah, il est là le singe. C'est un andéole. Un singe. C'est un andéole sauvage à singe. C'est un uniconte bilatérien cordé. Non, avant les bilatériens, il y a plus mes singes. Non, mais ça, je m'en fous en fait. On en a mis que 5. Il faut en mettre que 5. Donc cordé. Enfin, d'abord, métazoaire. Bilatérien, enfin uniconte, bilatérien. Bivalve. Non, c'est pas une bivalve, il fait pas une coquille, t'es compte. Cordé. Homo sapiens et Andelus sapinus. Sapiens. Andelus sapiens. Ouais. Ouais, bah t'as qu'à pas t'appeler Andéol, hein. Ça fait Andelus. En plus, ça fait Andelus sapiens. Voilà. Voilà. Tu es baptisé maintenant. Regarde-moi ce singe. Putain, vas-y, éclaire-le. Où ça? Non, mais il est sur le toit là. Regarde-moi ce singe. Non, il y a les feuillages devant. Ouais, bah je peux pas trop l'éclairer, il a disparu derrière. Il a disparu derrière. Il a laissé son appareil photo ici par contre. Ouais. On peut le piquer. Et repartir. Loin. Par contre, ça ferait une bonne silhouette sur le toit là. On va retourner le chercher, écoute. Ouais. Putain, il faut pas qu'on se perde quoi. Faut qu'il y en ait un qui reste là. Il y en a un qui reste là pour rattraper Andéol et un autre qui va aller chercher Jocelyn. Ah, putain! J'étais sûr. Ah, quel trou du cul! Ouais, je sais, j'ai fait des bruits. J'étais pas. Casse-toi! Oh l'enculé! Oh putain! Mais là, il y a Mathieu qui est vraiment marqué, j'étais pas là, hein. Merci Mathieu! Hein Oh, il fait l'amour aux arbres! Oh, oui. Si je perds! L'homme qui aime la nature! C'est fini ça? Je veux pas aller plus vite! Oh, c'est dommage! Hashtag lol, hashtag dommage! Putain, et du coup, Luc, tu filmais quand t'es tombé là? Bah oui, je filmais, mais on a rien vu puisque c'est pitch black! C'est con quand même! Ah, c'est ouais. Tellement propre, putain! Genre, t'as loupé quelque chose! Genre, oui, t'as fait peur à quelqu'un! Bon, du coup, on sort par les arbres! Hein. Par là-haut? Par les fougères? Ouais, pas... Sortir par là-haut? Ouais, y a un passage par les fougères! Tu veux qu'on arrive où? Bah, sur le en chemin? Haut. Non, en haut? Ouais, bah oui, je crois que tu vois, regardez bien le sol, y'a pas de sécurité de partout! Hein? C'est pas du tout casse-colle, mais j'ai pas inquiété. C'est faux. Quoi, il y a des limaces? Tu peux monter? Ouais. Oh putain, et quand t'as les deux mains prises, c'est compliqué de grimper une pente à 45 degrés. Ah même elle est plus. Elle est à 30 degrés celle-là. Oh les mecs, on a trouvé un banc. Ah ouais, bah un banc. Bah. Tu sais quoi, c'est un banc ça. Ça sert à s'asseoir pendant qu'on attend les autres. Eh les gars, il y a un banc. Tu peux filmer les autres, on va monter. Voir un peu la difficulté. Non, éteins ta lampe. Tu me gênes. Et voilà. Bah ouais, mais tu nous balances ta lampe dans la gueule en fait, si tu veux. Ouais. C'est pire que tout. Eh ben on a trouvé un point de squat. Et c'est ça un banc. Ouais. Ouais. C'est cool. Si tu veux la rambarde elle est là, elle monte. Ah c'est une rambarde. Ouais. Bon ouais, par contre. Oui bah si ça c'est un banc. Je veux là qu'il me rende ma lampe. C'est lui qui l'a prise. Qui? C'est Jocelyn qui l'a piqué. Oh, t'as vu? Mais en plus il reste déjà une dedans. Mais ouais. Soit tu passes par là, tu prends le passage facile, soit tu passes par là et tu montes pendant longtemps. Moi je vais passer bah, par là. Bah tu montes pendant longtemps, parce que t'es un aventurier et un survivant. Mais j'ai pas précisé qu'il y a du haut partout là. Oui, il y a la rambarde à la limite là et tu prends.
Mais ou alors, bah, ce parallèle, c'est vraiment le passage vraiment facile. Hein. Ouais, c'est facile si on retrouve son étoile. Ouais, mais où est le fun? Ouais. J'avoue. Appuyez sur espace pour sauter la rambarde. Hop. Ah oui, la vache, on aurait une petite départie. T'as vu ça? Non, t'as la méthode. Oh, regardez, un terrier. Un terrier de quoi? Mais je sais pas, moi. Renard. Lapin. Renard? Ouais. C'est pas lapin? Ça pue le renard, là. Sous une souche, c'est les renards. Tu sais que c'est un renard, c'est agressif, hein. Ouais. Tu sais qu'un renard, s'il saute, il te bouffe. Ouais. Et non, je laisserai faire. Mais pied aussi, c'est agressif. Non, mais le renard, en fait, déjà, il n'y a personne, c'est vide. Comment tu sais que c'est vide? L'intérieur, ça va loin. Je vois pas d'autre entrée. Là. Je vois pas de continuité dans ton terrier. Il y a zéro continuité dans ton terrier. Voilà, c'est un trou. C'est un terrier de renard, déjà. Pas très long. Et puis même, le renard, il est pas con. Il voit qu'il y a plus d'une présence en face de lui, il va pas sauter sur quelqu'un. Oh. Les bonnes pentes. Elle est pas belle la vue de la ville là? Bah, un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse? Bah, oui. Ok. Elle est montée sur les toits, hein. Ça, je dis rien. Ça, c'est un terrier. Bon, et tu vas pas t'arrêter avec le terrier. Mais pourquoi? Mais parce que de toute façon, on peut même pas voir si elle marche. D'accord, on est tendu, tu sais. Hop, et on est revenu sur les escaliers du tout début. Il est où, Mathieu? Il essaie de te faire peur. Les conseils, c'est de nous être où de l'autre côté du rambarde là. Là, c'est que du où. Bah oui, mais sinon, en fait, il y a un escalier, clairement. Et ouais. Où soir. Go où? Parce que là. Ah oui. On est de l'autre côté, en fait. C'est mélange de chez moi. Mais le vide là. Bon, c'est par ici. Hop, c'est bon. L'exploration urbaine, c'est terminé. Et elle s'est bien déroulée. On s'est séparés dans les escaliers qu'on avait empruntés au début. Qu'on remprunte là actuellement pour rentrer chez nous. Et faire un petit débrief. Alors du coup en fait, ce qu'on a vu, c'était un tunnel. Un tunnel qui était vraiment très petit pour le coup. Qui faisait 4 couloirs. On pensait tous à un gros truc. Au final non, pas du tout. Dans le tunnel, on a pris des photos. On a quand même vu des tags assez jolis. Et alors juste après, donc on est passé toute la soirée, l'informateur anonyme nous a donné l'information, elle-même anonyme, qu'il y avait une autre exploration urbaine à faire non loin de là. Effectivement non loin de là, c'était en face. C'était le bâtiment que j'avais montré quand on est arrivé. Donc oui, après les tunnels, on est allé dans un abattoir. Enfin, ce qui semble être un abattoir, au vu des infrastructures qui s'y trouvaient. C'était soit un abattoir, soit un four crématoire à juifs. Mais je pense pas que c'était un four crématoire à juifs. Donc, il faut que j'arrête avec le point Godwin, c'est assez déstabilisant dans une vidéo qui est censée être sérieuse. Je suis parti avec 80% de batterie, j'en ai 24, en ayant utilisé ma caméra et ma lampe torche à fond pendant 3 heures. Donc, pour ceux qui se demanderaient, le Samsung Galaxy S4. Et très très bien niveau autonomie batterie. Il a tenu 3 heures avec deux applications assez lourdes en continu. Donc Good Guy Samsung Galaxy S3. J'espère que ce genre de format vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.